Le handball club Saint-Éloi-Loupopo est tombé face à Evabouka 27-20. Un match comptant pour la poursuite de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi, disputé le lundi 1er mai au complexe Omnisport Kiwele. Dans un match à forte tension, Evabouka a mis en difficulté les cheminots en profitant de son temps fort pour marquer 5-0 dès l'entame du match. Après un quart d'heure, l'équipe du Kamaramba a réduit la marque à 5-3 grâce à l'implication de Gloire Mouilamboué. 12-9, score à la pause. Au retour, le club de la Roachie discipliné, réaliste, a maximisé plusieurs occasions en dominant au marquoir. Les Viettes ont tenté de prendre le dessus sur Evabouka bien en place, motivé par la présence de leur présidente Charlène Kitoko. Les joueurs d'Evabouka n'ont pas cédé aux assauts de Lumpa. 27-20, résultat final. Dans l'autre explication chez les dames, Skom Mikishi a eu raison de Handball Club Tout-Puissant Mazembe 37-26. Dans un derby louchois entre les décadors de l'entente urbaine de handball de Lubumbashi, les dames de Mikishi se sont montrées très dangereuses dès le départ en mettant le feu dans les camps des corbeaux. Mazembe a essayé de prendre le meilleur sur Mikishi, très tactique, tranchant. Malheureusement, la gardienne des Oranges était en super forme pour défendre son équipe. 37-26 était le score final.